Emmanuel Macron, vous le savez, a annulé sa visite à Marseille. Le président devait se rendre dans la cité phocéenne en début de semaine prochaine. Chloris, est-ce qu'on connaît les raisons de cette annulation ? Alors justement, c'est assez flou. En tout cas, la raison n'a pas été officiellement communiquée pour le moment, mais d'après ce qu'indiquent des sources à l'Élysée, c'est certainement parce que ces derniers jours, Emmanuel Macron est très mobilisé par le contexte international de tensions entre la Russie et l'Ukraine. Il pourrait en effet rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour aborder ce dossier au lieu de cette visite qui était prévue. Et cette visite qui aura lieu en visio, donc à distance. Emmanuel Macron qui venait faire un point d'étape à Marseille, sur le plan Marseille en grand. Effectivement, un événement auquel il devrait finalement assister en visioconférence. Ce déplacement présidentiel à Marseille était censé être le troisième depuis septembre, avec pour objectif de faire un nouveau point d'étape sur les avancées du plan Marseille en grand, plan financé par l'État qui concerne, pour rappel, les écoles, les transports ou encore le logement. Sans oublier qu'à l'approche de l'élection présidentielle, la grande question, c'était aussi de savoir si Emmanuel Macron comptait annoncer ou pas sa candidature ici à Marseille. Eh bien, ce ne sera pas pour cette fois.